Nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous sommes venus pour te dire merci. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ce que tu as accompli dans notre église. Merci pour ce que tu as accompli dans nos familles. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce et honneur. Toi le Dieu admirable. Nous te rendons grâce et honneur. Toi le Dieu tout-puissant. Le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, qui est comme toi, qui est comme toi, Père, qui est semblable à toi. Tu es admirable. Oh, que l'honneur ne soit rendu à toi. Que l'honneur ne soit rendu à toi, Père. Que l'honneur ne soit rendu à toi, Père. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci à Dieu? Et il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons de dire merci à Dieu. Oh, est-ce que tu peux être reconnaissant devant Dieu ce matin pour la semaine que nous venons de passer, pour les merveilles qu'il a accomplies pour nous? Oh, nous te disons merci. 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 Que l'honneur ne soit rendu à toi. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Merci pour les âmes qui ont été sauvées. Merci pour les âmes qui ont été restaurées. Merci pour la formation éternelle, mon Dieu, des disciples. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te rendons continuellement grâce, Père. Nous te rendons continuellement grâce, Père. Oh, sois élevé ce matin. 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 Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans Apocalypse, le verset 5. Buka kozonge la basekele mo kapona mitano. Et déclare, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Akomi le bete kanise sika yo koyaki. Repens-toi. Tubela. Et pratique tes premières œuvres. Salami salano asika. Sinon je viendrai à toi. Bamba tena koye pa ina yo. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Pena kolongo la mwinde de sika na yango. À moins que tu ne te repentes. Yambote yo otubela. Dans la petite histoire, Dieu est en train de parler aux églises d'Asie. Et particulièrement lorsqu'il parle à cette église, il dit, je connais ton amour pour le service. Tes œuvres plus grandes encore. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Notre papa nous a parlé de ça au premier culte. L'amour de Dieu n'est pas permanent. L'amour doit s'entretenir. L'amour que tu as envers Dieu doit s'entretenir. Et Dieu est mécontent lorsque notre amour envers lui diminue. Il veut au contraire que notre amour envers Dieu puisse grandir. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce les tribulations, ni les hommes, ni les anges, ni les dominations, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et nous allons faire cette prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, accorde à chaque chrétien, à chaque disciple, la grâce de reprendre son premier amour qu'il a fait. Et pour les services, l'amour de ceux qui nous pousse à chercher Dieu, l'amour de ceux qui nous pousse à servir Dieu, l'amour de ceux qui nous pousse à être avec Dieu,
L'amour de Dieu qui nous pousse à s'élever tous les matins pour chercher Dieu. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix, peut prier au nom de Jésus et dire: Seigneur, je veux que mon amour en toi puisse grandir. Je veux que mon amour en toi puisse grandir. Est-ce qu'on peut élever sa voix ce matin et commencer à prier au nom de Jésus? Que Dieu te donne la grâce de reprendre ton premier amour. Oh, est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Éternellement Dieu, nous te prions. Père au nom de Jésus. 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 Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Père, de reprendre notre premier amour. Accorde-nous la grâce de reprendre notre premier amour. Que notre amour pour toi puisse grandir. Que notre amour pour toi puisse grandir. Nous voulons que rien ne puisse séparer notre amour envers toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire à Dieu que mon amour envers toi, que mon amour envers toi ne puisse pas diminuer. J'aimerais t'aimer, Jésus. J'aimerais t'aimer, Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Éternellement, Dieu, nous te prions. Oh, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Oh, nous voulons t'aimer chaque jour. Oh, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Oh, que notre amour déborde pour toi. 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 Oh, nous voulons t'aimer, Père. Nous voulons t'aimer, Père. Oh, nous voulons t'aimer avec sincérité. Nous te prions. Nous voulons t'aimer sans intérêt. Nous voulons t'aimer sans intérêt. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à aimer Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à aimer Dieu? Peut élever sa voix et prier au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Nous voulons t'aimer. Père au nom de Jésus. Nous voulons t'aimer. Père au nom de Jésus. Nous voulons t'aimer. Père au nom de Jésus. Que notre amour envers toi ne puisse pas diminuer. Oh Père, nous te prions. 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 Nous voulons te servir avec les mêmes zèles. Nous voulons t'aimer avec la même intensité. Nous voulons t'aimer avec la même profondeur. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble et acclamer le Seigneur? Si tu as foi que Dieu a entendu tes prières et qu'il t'a exaucé, acclame et pousse des cris de joie. Alléluia. La Bible dit: mon juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui: je te salue, sacrificateur. Sacrificateur. Parce que nous allons offrir un sacrifice de louange à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à offrir un sacrifice de louange à notre Dieu ce matin? Alléluia. Nous chantons ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Je suis dans la joie ce matin. Manifeste ta joie en dansant pour le Seigneur. Alléluia. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai
de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que c'est mes alliés? Ce que c'est mes alliés, mais pas ma bonne compagnie. Alléluia. Montre à Dieu que nous sommes dans la joie ce matin. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, si vous me voyez danser comme ça, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez bouger comme ça, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez sauter comme ça, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Oh, oui, la joie, la joie du Seigneur a débordé. Natango ya passé, atanatango maladi, ganata de la caille, yen delisi bangolou et kombo sous sezalité, kaka kombo na yesu, yango ba pesa na ngaye, tikana de lela lelo, Jésus est, 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 Jésus est. Bilaka, outa bomwana nangaye, balukanga na beba, na maloba na bango, balakelanga mabe, yango na sali lo sambo, bazala na kimbiate, bamo nangai teo, na makita na bango, ba esuwe, 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 bamuna ba esuwe, 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 esuwe.
Bongola lola eh, Toto bikamo salema, Papa bongola lola eh, Denge Jacoba monaki, Denge Elia monaki, Yango lo sambo nanga ye, Bongola lola eh, Lola eh, Lola eh, Lola eh, Bongola lola eh, Lola eh, Lola eh, Lola eh, Lola eh, Bongola Oh Bella Jésus, 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 Bella Jésus, Bella Jésus, Jésus, Bella 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 La Bonsoir, Alléluia, clame pour le Seigneur. Loue son Seigneur, pousse des cris de joie. Alléluia. Montre que tu es content dans la présence de notre Dieu. La qui sait c'est mon aïe. La qui sait c'est mon aïe, on a votre présence ensemble. Alléluia. Abonnez-vous à le coup. Il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Que ce soit dans les cieux et sur la terre. Nalikolo, Pela Moko Awanase. Moko Tazali Lokolaye. Donito Kumba Melae Natongo Alelo. Alléluia. Alléluia. Moko Tazali Lokolaye Okolo. Moko Tazala Kalokolaye. Moko Tazalinga Kalokolaye Nzambe. Nous venons avec confiance, avec assurance, auprès de celui qui est capable, auprès de celui qui est puissant et qui peut changer nos vies. Naliko, Pelamoko, Awanase, Moko. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un cœur si merveilleux et si grand. Togoubami. Fandina kitina oya bokonzi. Fandina kitina yo.
De grâce que nous te rendons. Yahweh, amba ma sanjoli pe matondi to memelio. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nangombo nanguya na Yesu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gembo nankolo. Amen. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je suis cannabiso. Je vous prie de saluer votre voisin, s'il vous plaît. En votre propre nom et en mon nom, s'il vous plaît. Dites-lui que le pasteur Eric le salue. Alléluia. Amen. C'est une grande bénédiction de nous retrouver ici dans la maison du Seigneur. La série que j'aimerais commencer avec vous d'enseignement, c'est... s'intitule « Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu ». Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Pour l'introduire, j'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 22, du verset 34 au verset 37. Pour la cocotte, nous avons tout le temps à beaucoup de matières, nous avons tout le temps à beaucoup de matières, Matthieu chapitre 22:34-37. Si vous y êtes,
Je vais vous prier de vous lever et de faire la lecture avec moi en honorant la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Allons-y ensemble, verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Reprenons place. Lorsque Jésus était sur la terre, les religieux de son époque étaient tout le temps en train de chercher à les tenter pour qu'il tombe dans un piège afin d'avoir objet sur lequel l'accuser et le neutraliser. Alors un jour, les pharisiens sont venus pour lui poser la question sur ce qui était le plus grand commandement de la loi. Et sa réponse doit les avoir totalement surpris. Quoique c'était une répétition de quelque chose qu'ils devaient déjà connaître. Mais ils ne mesuraient pas la portée et l'importance de ça. Jésus répondit que les plus grands des commandements, c'était que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, quand on dit que c'est le premier et le plus grand commandement, ça veut simplement dire que la première chose que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'aimer. Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, Dieu attend d'abord que tu puisses l'aimer. Amen. Amen. C'est le verset 38 qui nous le dit, c'est le premier et le plus grand commandement. La première chose que Dieu attend de toi et de moi, ce n'est pas de ne pas pécher. Non, non, non. Il attend que tu l'aimes d'abord. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne pêchent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu? Mais simplement parce qu'ils ont peur de conséquences. Un jour, une de nos filles ici à l'église, elle a 14 ans. Elle est venue me voir. Et elle me parlait d'un garçon qui était en train de la courtiser. Alors je lui ai posé la question, est-ce que tu sais pourquoi il ne faut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage? Elle me dit oui. Je dis alors c'est quoi la raison? Elle me dit bon, il y a les dents d'attraper les maladies sexuellement transmissibles. Et puis, tu peux aussi tomber enceinte. Vous voyez, il est possible que tu ne pêches pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que tu as peur des conséquences. Si on supprimait les conséquences de certains péchés, je vous dis, il y a des gens qui allaient se régaler à certains péchés. Mais
Il y a des gens qui ne volent pas, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas envie d'être qu'on les attrape. Il y en a qui ne trichent pas, pas parce qu'ils aiment Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont peur. Et si on m'attrape, je risque de rater mon année. Vous voyez, ce que Dieu attend d'abord, c'est que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Et c'est le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Le premier et le plus grand. Ça veut dire, c'est la première chose que Dieu attend de nous. Et c'est la plus grande chose que tu peux faire pour Dieu. Je sais pas, la traduction là, j'ai pas aimé, même si c'est ça que ça va donner, mais c'est la plus grande chose que tu peux faire pour Dieu. Non, je crois qu'on dirait Et l'eau qui est l'équipe, mon nez, nous la bonne ensemble. Alléluia. Amen. La chose la plus grande que tu peux faire pour c'est l'aimer. Et ça, c'est l'aimer. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu aimes Dieu? Hein? Est-ce qu'il aime Dieu? Je suis sûr que tu vas avoir la réponse oui. Qui a eu la réponse de son voisin qui a dit non? Tout le monde prétend aimer Dieu. Tout le monde dit aimer Dieu. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Beaucoup de gens disent aimer Dieu, mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. C'est pour ça que nous allons voir ensemble certaines vérités au sujet de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment exprimer son amour pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en termes d'amour pour le plaire? Et nous, hommes, nous sommes toujours égoïstes. Et nous ne faisons rien tant que nous n'avons pas notre avantage. C'est pour ça que nous allons voir aussi pourquoi obéir à ce commandement d'aimer Dieu. Et qu'est-ce qu'on y gagne? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais d'abord vous donner cette vérité au sujet de l'amour pour Dieu. Avant que nous puissions voir les expressions de l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Et comment aimer Dieu tel qu'il l'attend? Et quels sont les avantages d'aimer Dieu afin de conclure? Aujourd'hui, laissez-moi parler de ces sept vérités. Nous allons parcourir rapidement. Premièrement, l'amour pour Dieu n'est pas universel. L'amour pour Dieu universel. Ce que je veux simplement dire ici, aussi invraisemblable que ça puisse nous paraître, tout le monde n'aime pas Dieu. Nous avons une idée erronée de croire que tout le monde aime Dieu. Tout le monde n'aime pas Dieu. Déjà, nous avons des gens qui sont insensés au point de croire que Dieu n'existe pas. Si déjà quelqu'un... Ceux qui peuvent dire,
Si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, à combien plus forte raison aimer quelqu'un qui n'existe pas? Comprenez donc que ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Et même parmi ceux qui croient en Dieu, ne croyez pas que tout le monde aime Dieu. Alléluia. Amen. Même parmi ceux qui vont à l'église, même ce matin, ce n'est pas que tout le monde aime Dieu. Ces micros sont en train de tout moment, je ne comprends pas. Absolument pas. Autant il peut exister des mariages sans amour. Autant il peut exister des relations avec Dieu sans amour. Vous vous croyez que tous les hommes et toutes les femmes qui sont mariés, ils s'aiment? Vous croyez que tous les hommes... Une personne qui peut croire ça, c'est une personne qui n'est pas encore mariée. Mais les gens qui sont mariés connaissent qu'il y a des mariages sans amour. Les gens qui sont mariés, pas vous-même, est-ce que vous savez que c'est ça la réalité? Vous ne répondez pas. Répondez pour aider les jeunes. Ce n'est pas vrai. Et ça pour été. Il y a plein de mariages sans amour. Et ça n'a pas ma balle à épeler qu'à Sibolingo Katikunezate. Aussi, il y a plein de personnes qui viennent à l'église. Église, épouse de Christ. Ecclésia, mobile, il y a Christ. Épouse de Christ. Moi, c'est Christ. Mais ils n'aiment pas Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Quand Jésus-Christ s'est parlé aux gens de son époque dans Jean chapitre 5, verset 42. Quand vous voyez ça, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit non? Jean chapitre 5, verset 42. Il leur dit: mais c'est que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. En Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, 23, Jésus dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Il dit: si quelqu'un m'aime. Ce n'est pas tout le monde qui aime Jésus. Ma prière à moi, c'est de me retrouver dans les cercles restreints des gens qui aiment Dieu. Ma prière pour toi est de te retrouver au milieu des gens qui aiment Dieu. Des personnes qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ne croyez pas que tout le monde aime naturellement Dieu. Déjà une erreur dans la vie, c'est que beaucoup de gens, et ça c'est la déformation de notre société courante, beaucoup de gens pensent plus à l'amour comme un sentiment. L'amour est au-delà des sentiments. L'amour est une décision. L'amour est un engagement. C'est quelque chose que tu décides toi-même. C'est pour cela
c'est quelque chose que tu peux donner à quelqu'un ou retirer à quelqu'un. Si tu décides d'aimer quelqu'un, tu vas l'aimer. Et si tu décides aussi de haïr une personne, tu vas les haïr. Regardez. Qui a déjà vu quelqu'un, tu fais tout pour qu'il puisse t'aimer, mais la personne ne t'aime pas. Il y a même un frère qui a chanté. Ala salinyoso. Pona se pesabato a mokili. Amen. Donc, il y a des gens, tu fais tout pour te faire aimer. S'il n'a pas décidé de t'aimer, il ne va pas t'aimer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, ne pensez pas que l'amour est quelque chose là à l'intérieur. Non, naturel, non. C'est un engagement de cœur. C'est toi et moi qui décidons d'aimer Dieu ou pas. Wow. Tu me suis comme tu, si tu n'es pas là. Est-ce que tu comprends ça? Il y a une manière simple de comprendre ça. On dit, hein, l'amour ne s'efforce pas. C'est pour cela, si vous êtes dans un mariage avec quelqu'un qui ne vous aime pas, vous allez souffrir. Parce que c'est la décision de la personne de ne pas vous aimer. Et si vous êtes dans un mariage, tel est ce que je prophétise sur toi. Tu es dans un mariage où quelqu'un a décidé de t'aimer, tu seras heureux. Parce que la personne, tu ne le forceras pas, la personne va t'aimer. C'est la même chose pour Dieu. C'est quelque chose qui vient du cœur. Quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas naturel. Et quand tu vois que tu aimes Dieu, c'est que tu as eu la grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Tout le monde dit aimer Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Paul dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Paul est en train de prier pour les Thessaloniciens afin que Dieu dirige leur cœur vers l'amour de Dieu. La version française courante dit que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. La version parole de vie dit que le Seigneur dirige vos cœurs, alors vous aimerez Dieu et vous serez patient comme le Christ. Amen. Vous savez, si vous aimez Dieu, c'est le résultat d'un travail qui s'est fait dans votre cœur. Et ça veut dire que vous avez trouvé grâce. Comme Paul priait pour les Thessaloniciens, j'ai prié aussi pour toi. Que le Seigneur dirige ton cœur. Que le Seigneur dispose ton cœur à aimer Dieu. Ne crois pas que c'est naturel. Que le Seigneur dispose ton cœur à aimer Dieu. Troisième vérité, c'est que l'amour pour Dieu
peut être négligé au profit de l'apparence et des pratiques religieuses. L'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence et des pratiques religieuses. Les amis, Balinga, beaucoup de gens peuvent donner l'impression qu'ils sont en relation avec Dieu, ils prient et ils servent Dieu. Et ils font des choses même pour Dieu. Mais généralement, ils ne se préoccupent pas s'ils aiment ou pas Dieu. Ils se préoccupent pas. Beaucoup sont venus à l'église aujourd'hui. Demande un peu à ton voisin, tu es venu à l'église, mais est-ce que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qu'il te dit? Regarde déjà, il y a des gens. Tu demandes à ton voisin, il est comme ça. Donc même le voisin lui demande, il est comme ça. Demande un peu à ton voisin, est-ce qu'il aime Dieu? Quelle est sa réponse? Encore une fois, il va dire. Il y en a qui prêchent comme je prêche aujourd'hui. Il y en a qui font le protocole. Il y en a qui font la sécurité comme ça. Mais la question est, est-ce qu'ils aiment Dieu? Ça, nous pouvons négliger l'amour pour Dieu et mettre en avant notre apparence religieuse et nos pratiques religieuses. Beaucoup de gens sont membres des églises. Beaucoup de gens respectent entre guillemets les choses sacrées. Beaucoup de gens ont des responsabilités dans les églises. Beaucoup de gens apportent régulièrement leur offrande à Dieu. Mais ils n'aiment pas Dieu. N'oubliez pas, vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un sans nécessairement l'aimer. Il faut aller poser la question à beaucoup de femmes qui, quand elles cuisinent, elles terminent. Elle regrette même que c'est la personne qu'elles ont épousée. Et c'est quand tout n'a pas été belé, alambi, assilisé, qui passe pour la moto alambi le bilo. Apparemment, vous n'aimez pas mon message. Hein? Apparemment, vous n'aimez pas mon message. Il y a quelqu'un qui suit ça. Le fait de venir ici à l'église, le fait qu'on t'appelle chrétien, tu peux négliger ça. Tu peux négliger l'amour pour Dieu. Malheureusement, Mawa. Luc chapitre 11, verset 42. Luc chapitre 11, verset 42. Jésus dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Vous voyez, Jésus est en train de dire malheur aux Juifs. Malheur aux Juifs, pourquoi? Parce que
Ils étaient en train de payer même la dîme des petites choses. La menthe, c'est la dîme des petites choses. Mais il dit, vous faites ça, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Donc quelqu'un peut payer même la dîme, payer même des choses, venir les... et il n'aime pas Dieu. Il fait ça. Wow. Et dans ces versets, Jésus est en train de nous donner une des grandes leçons sur la dîme. Il y a des gens qui disent que Jésus n'a jamais enseigné la dîme. Que la dîme, c'est l'affaire de l'Ancien Testament. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et si c'est le Nouveau Testament, regardez ce que Jésus dit. Il dit, malheur à vous. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Mais vous négligez alors la justice et l'amour de Dieu. Et il n'abolit pas la dîme. Il dit, c'est là ce qu'il fallait faire. Sans omettre les autres choses. Au contraire, Jésus est en train de dire qu'il faut payer la dîme. Mais avant de payer, commence d'abord par aimer Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui discutent la dîme, ce sont les gens qui ont un problème de l'amour pour Dieu. On dit là où il y a l'amour, on ne compte pas. Une personne pour qui vous avez de l'amour, il n'y a rien que vous soyez prêt à faire pour cette personne. Le vendredi, par la grâce de Dieu, j'étais allé prêcher dans une campagne. Ce matin, quand je suis entré dans mon bureau, mon offrande de vendredi, je ne l'avais pas donnée. Mais c'était déjà la Bible. Déjà dans ma Bible. Et ce matin, j'avais aussi déjà mon offrande avant de commencer à faire les dépenses de la semaine. J'enlève d'abord mes offrandes de la semaine. Et je mets ça de côté. Alors, ce matin, lors du premier culte, j'ai donné deux offrandes. J'ai donné mon offrande de vendredi et mon offrande d'aujourd'hui. Il y a des gens, quand le panier de l'offrande passe et qu'on a oublié de le faire passer chez lui, il dit chance. Et c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Il y a des gens, quand ils reçoivent l'argent, même ce matin, j'ai regardé l'enveloppe que quelqu'un m'a donnée. Papa, t'as l'enveloppe pour me montrer ça qui est. Il y a des gens, quand les gens me donnent l'enveloppe, je prends seulement, je mets. Je regarde pas, je prie. Quand moi, quelqu'un me donne quelque chose, je ne regarde pas les montants, je prie d'abord pour la personne. Papa, m'a payé sa enveloppe, attends la carte, assemble la carte pour la moto. J'ai prié. Et ce matin encore, j'ai regardé deux enveloppes que les gens m'ont données. Et j'enlevais la dîme. Et dans une des enveloppes, il y avait 10 000 francs. J'ai enlevé la dîme de 1 000 francs. Mais il y en a, même quand
les montagnes petites pour enlever, c'est un problème. Et surtout, n'essaye pas que les montants soient grands. Hey, et je vous partage un témoignage personnel. Et il y avait une deuxième enveloppe. J'enlevais encore la dîme. C'était une enveloppe de 5 dollars. J'enlevais la dîme. Papa longoli moko na somi. Mais quand moi j'enlève ma dîme, que j'appelle la marge de sécurité. Je dis, ah, peut-être qu'il y avait un montant que j'avais utilisé, que je n'avais pas. Je mets toujours un petit montant supplémentaire. Je dis, Seigneur, je ne vais pas avoir de problème. Je mets un peu plus. Je connais. Papa Yebi. Et les amis, vous qui avez des problèmes avec la dîme, ne payez pas la dîme. Sache que quiconque ne paye pas la dîme, Dieu le récupère toujours. Dieu récupère ça. Toute dîme que vous ne payez pas vous sera retirée des forces. Ah, vous saviez ça, hein? Et Dieu ne vient pas récupérer lui-même. Il va envoyer les dévoreurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au fait, quand tu n'as pas payé la dîme, Dieu laisse libre les démons de t'attaquer. Ils viennent. Et vous pensez que quand on dit à un voleur, va voler les stylos dans la maison de quelqu'un, il arrive là-bas, il voit les stylos et la montre, il laisse la montre. Quand les démons viennent récupérer la dîme, ils vont récupérer et ce qui était légal et ce qui n'était pas légal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je t'encourage, ne paye pas la dîme. Il y a une malédiction qui va s'attacher à ta vie. Vous savez ce qu'est la malédiction? C'est la malédiction des voleurs. Chaque fois que tu n'as pas payé la dîme, il y a un mauvais sort qui s'attache à toi, c'est le sort des voleurs. Parce que tu as volé Dieu. Et tu sais, cette malédiction, ça, je vous ai enseigné sur la malédiction et je vous ai dit que chaque malédiction a une intelligence. Et la malédiction des voleurs, c'est quoi? C'est la malédiction des récupérations de quoi? Quand tu voles, selon la Bible, tu dois payer combien de fois? Hein? Vous ne saviez pas, 7 fois. Toute dîme que tu as volée, sache qu'un jour, ça te sera retiré 7 fois. Comment, je ne sais pas. Mais un jour, on va retirer. Apparemment, vous ne me suivez plus. Apparemment, vous n'êtes plus là. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. C'était juste une parenthèse. Pour voir les gens qui font des pratiques religieuses sans
tout en négligeant d'aimer Dieu. On peut faire ces choses sans aimer Dieu. La quatrième vérité, c'est que l'amour pour Dieu est quelque chose qu'il note, apprécie et récompense. C'est quelque chose qu'il note, apprécie et récompense. Qui a déjà vu quelqu'un qui l'aime? Levez un peu la main. Vous voyez vraiment cette personne même. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça vraiment? Tu vois que telle personne t'aime. Pardon, allons-y un peu. Non, asseyez-vous pour que je voie bien. Que je voie bien. Que je voie bien. Qui m'aime? Qui m'aime? Levez les mains, non? Non, non, si vous m'aimez, je vais vous poser la question. Vous croyez que moi, je sais que vous m'aimez? Vous croyez que je sais que vous m'aimez? Vous croyez que je sais que vous m'aimez? Vous savez, les amis, si quelqu'un vous aime, vous le savez et vous appréciez ça. Entre le premier et le deuxième culte, je suis dans mon bureau. Un frère m'avait appelé hier. Et il m'a dit, non, pasteur, j'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous voir. Bon, on vient me voir. Yaka. Il dit, bon, si je ne vous vois pas aujourd'hui, je vous vois demain. Et puis j'arrive papa komi au bureau, entre les deux cultes, il entre dans mon bureau. Il dit, pasteur, j'ai beaucoup pensé à papa toi. Et puis je t'ai amené ça. Vous voulez que je vous dise ce qui m'a amené? Qui veut que je lui dise ce qui m'a amené? Je ne vous dirai pas, je ne sais même pas quoi. Il m'a juste donné une enveloppe, il dit, ça, c'est ça. Je dis, il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire ou de faire. La personne voit. Mais il y a aussi des choses que tu dois faire pour que la personne voie. Et Dieu, si nous les hommes, nous pouvons nous tromper de l'amour des autres, Dieu ne peut pas se tromper de l'amour. Si tu l'aimes, il sait. Si tu ne l'aimes pas, il sait. Si tu l'aimes beaucoup, il sait. Et si tu ne l'aimes pas non plus beaucoup, il sait. Tout le monde peut dire j'aime Dieu, mais lui sait. Et si tu l'aimes, il va te récompenser. Dans Apocalypse chapitre 2, 18 à 19. Apocalypse 2. 18 à 19. Jésus dit à Jean, écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec les yeux de flamme de feu qui nous perce jusque dans notre fort intérieur. Aide-moi, dis à ton voisin, Dieu te voit, il sait si tu l'aimes ou pas. Dis à ton voisin, Dieu te voit.
Alléluia. Amen. Même moi qui vous prêche, Dieu voit si je l'aime ou pas. Et je prie que j'aie ce témoignage que c'est lui-là même. Et il dit, je connais tes œuvres. Tu vois, Dieu sait faire la distinction entre tes œuvres et ton amour. Tu peux avoir beaucoup d'œuvres. Mais est-ce que Dieu voit ton amour? Il dit, je connais ta foi. Tu peux dire, tu crois en Dieu. Tu peux dire ça, tu crois en Dieu. Mais c'est différent d'aimer Dieu. Il dit, je connais ton fidèle service. Tu peux venir à l'église chaque jour servir. Mais c'est différent d'aimer Dieu. Il y en a, nous avons le système des chaînes de prière à l'église. Je vois combien les gens récupèrent les samedis la nuit. Il y en a qui font ça à la dernière minute pour se retrouver quand même dans la liste des présents. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que vous savez même que quelqu'un peut être fidèle dans son service sans aimer Dieu? Comme une femme qui vous prépare la nourriture chaque jour sans vous aimer. Un homme qui vous envoie l'argent chaque fin du mois. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu voit ça. Il dit, je connais ton amour. Et Dieu connaît la qualité de l'amour de chacun de nous vis-à-vis de lui. Dieu connaît la qualité de l'amour de chacun de nous vis-à-vis de lui. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, je connais ton amour. Qui m'aime? Qui m'aime? Quelle est la qualité de ton amour vis-à-vis de moi? Il y a des gens, la qualité de leur amour vis-à-vis de moi, c'est seulement d'être à l'église. Mais ils vont finir cette année sans me saluer. Je peux dire, je connais ton amour. Toi, ça fait longtemps que tu m'as écrit. J'ai parlé de cet homme-là. Au moins, il me salue par message. Mais jamais comme ça, il vient dans les bureaux. Bonjour, pasteur. Je connais la qualité de ton amour. Vous voulez que je vous le montre? Les frères qui m'aiment par les textos. Il est là-bas au coin. Azakuna. Mais au moins lui, il me dit quand même, il me salue. Il y en a aussi qui sont dans l'église qui disent, j'aime mon pasteur. Mais la qualité de son amour s'arrête seulement par j'aime mon pasteur. Point barre. Même pas bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Demande pas à ton voisin la dernière fois que tu as dit au pasteur bonjour. Il dit quoi? Écoute, il y en a qui disent toujours, le pasteur a toujours beaucoup de gens. Beaucoup de gens là, c'est qui? Beaucoup de gens là, c'est qui? Qui t'a dit que j'ai toujours beaucoup de gens? Et il y en a qui peuvent faire une année, deux ans, trois ans, quatre ans dans cette église. Quel choc! Et ils disent, ils aiment les pasteurs. Jamais. Et il y en a, je connais la qualité de leur amour. Une fois là, ils vont me saluer. C'est le jour de mon anniversaire. Bon anniversaire.
Il y en a qui ne m'écrivent que le jour de mon anniversaire. Bon anniversaire. Pas vrai? Oui. Dis à ton voisin, le pasteur connaît la qualité de ton amour pour lui. Et si moi je peux connaître la qualité de ton amour, alors à combien plus forte raison Dieu, il connaît la qualité de ton amour pour lui. Il connaît la qualité de ton amour. Il sait comment tu l'aimes. Apparemment, mon message ne te touche pas. Il connaît la qualité de l'amour de chacun. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10. L'apôtre dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Écoute, ça sera de l'injustice de Dieu de ne pas apprécier la qualité de ton amour. Comment est-ce possible que toi tu aimes beaucoup Dieu et puis Dieu ne tient pas compte de ça? Plus tu aimes Dieu, plus Dieu aussi note ça. Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a les mamans qui sont là? Est-ce qu'il y a les femmes mariées qui sont là? Comment vous allez trouver votre mari? Vous êtes réveillé le matin. Vous avez fait tout. Vous êtes allé vous-même au marché pour choisir la qualité des poissons. Vous choisissez la qualité des poissons. Et vous amenez ça. Vous préparez ça de vos propres mains. Vous brûlez même les mains. Et le soir, monsieur vient. Il dort. Qu'est-ce que vous dites? Il n'a pas tenu compte de tout ce que j'ai fait comme effort pour lui. Dieu n'est pas injuste. Si vous essayez de lui manifester l'amour, il ne passera pas ça outre. Dieu n'est pas injuste. Plus vous l'aimez, il va noter ça. Moins vous l'aimez, il va noter ça aussi. Il saura ça. Et il agit proportionnellement à l'amour que vous lui donnez. Les amis, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça prochainement. Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Je vais même vous choquer. Il n'accorde pas les faveurs à tout le monde de la même manière. Et je vais même vous montrer que Dieu ne continue pas d'aimer quelqu'un de la même manière toute la vie. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime aujourd'hui qu'il va continuer à t'aimer demain. Apparemment, je vous ai choqué. Je vous ai lu un verset, non? Jésus a dit quoi? Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qui va arriver? Mon père l'aimera. Et si tu n'aimes pas Dieu?
allons voir qu'il y a des versets de la Bible où Dieu dit. Celui qui fait ceci, 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 je vais lui conserver mon amour. Il y en a d'autres, il va dire. J'ai prié que toi tu ne sois pas parmi les ex-amoureux de Dieu. Les gens que Dieu aimait autrefois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu apprécie. Asseyez-vous un peu. D'où est-ce que ça vient que tu aimes quelqu'un, la personne ne répond pas à l'amour et puis tu t'es fatigué, tu dis j'ai tout fait et puis c'est fini. Vous savez ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et où t'es pas en Zambé? Nous avons été créés à la même image que Dieu. Donc il y a la main à l'élingue dans Zambé. Apparemment, vous n'aimez pas. Hein? Comment mon message est amen, alléluia, pasteur, prêche. C'est la vérité. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Il apprécie ça. Et la Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Tu ne peux pas aimer Dieu sans que Dieu te le paye en retour. Ah, je suis désolé pour mon message. Hein. Apparemment, vous... Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous prêche les bénédictions? J'ai envie de vous prêcher les bénédictions. Qui peut me donner un bon amen que je lui prêche les bénédictions? Est-ce que je peux avoir un bon amen comme ça? Je vais vous dire des choses qui font la démangeaison à l'oreille. Troisième vérité. Cinquième vérité. L'amour pour Dieu n'est pas une simple question de parole, mais d'action. L'amour pour Dieu n'est pas seulement une question de parole, mais d'action. Dire que vous aimez Dieu n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés? Si vous êtes marié, levez un peu la main. Je vais vous apprendre un mystère. Levez les mains. Qui veut que je lui apprenne un mystère par rapport au mariage? Levez les mains. Maintenant, vous qui êtes des jeunes, vous voulez apprendre sur le mariage? Qui veut que je lui apprenne quelque chose sur le mystère? Je vais vous dire quelque chose de mystérieux au sujet du mariage. Dans les mariages, les hommes ne savent pas aimer. S'il y a une chose que nous, les hommes, nous ne savons pas faire bien, c'est aimer. Et s'il y a une chose que les femmes ne savent pas faire bien, c'est se soumettre. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de mariages ne sont pas heureux. Parce que l'homme ne sait pas aimer sa femme. Et parce que la femme ne sait pas se soumettre à l'homme. Voici ce que vous apprendrez de beaucoup de femmes. Écoutez seulement le langage de beaucoup de femmes. Il faut vous dire très souvent, cet homme ne fait rien pour me montrer qu'il m'aime. Et si vous voulez
écouter la plainte de beaucoup d'hommes, vous allez écouter que cette femme n'en fait qu'à sa tête, elle n'écoute pas ce que je lui dis. C'est le mariage, ça. C'est pour ça que Jésus a dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises. Parce que si Jésus disait ça, parce que les hommes ne savent pas le faire. Et si Jésus a dit aux femmes comme ça, c'est parce que les femmes ne savent pas se soumettre. Et parmi les choses que nous faisons à nos épouses, c'est de leur dire je t'aime. Et surtout à un moment donné là, je ne peux pas dire quel moment. Où nous les gavons de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais après, rien ne suit pour montrer que tu l'aimes. Et beaucoup de femmes n'ont rien pour montrer que leur mari les aime. À part la déclaration le jour du mariage, je te serai, je ferai ceci, je te serai le jour du mariage. Oh, soit dit en passant, nous aussi, nous n'avons rien à montrer que vous êtes soumises. Hein? Beaucoup de paroles. Et là, maloba. Pas d'action. Et c'est la même chose pour beaucoup de gens. J'aime Dieu. Rien. Comme preuve. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 18. L'apôtre dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu? Montre-moi qu'est-ce que tu fais pour lui. Wow. Tu aimes Dieu? Montre-moi ce que tu fais pour lui. L'amour ne peut pas se résumer aux simples expressions verbales, mais doit se démontrer par des actions concrètes. Alléluia. Amen. Sixième vérité, sixième et avant-dernière vérité. Wow. Je ne savais pas que l'heure était en train de passer. L'amour pour Dieu n'est pas instantané ni permanent automatiquement. Vous pouvez aimer Dieu aujourd'hui et ne pas l'aimer autant demain. Aujourd'hui, vous pouvez dire j'aime Dieu. Mais ce n'est pas une garantie que demain vous pourrez dire la même chose. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, Dieu dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut abandonner les premiers amours pour Dieu. Que le Seigneur m'en garde. Que le Seigneur te garde. Si tu abandonnes ton premier amour, c'est triste. Septième et dernière vérité. L'amour pour Dieu peut augmenter. Autant l'amour peut diminuer, mais l'amour peut aussi augmenter. Dans Philippiens chapitre 1, verset 9, Paul prie et dit,
Philippiens chapitre 1, verset 9. Paul prie et dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. C'est aussi ma prière pour toi. Si vraiment tu aimes Dieu, que ton amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que Dieu bénisse ta parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier, s'il vous plaît. Chacun va prier pour son amour. Pour Dieu. Élève ta voix et prie pour ton amour pour Dieu. Élève ta voix et prie pour ton amour pour Dieu. Prie pour ton amour pour Dieu. Élève ta voix et prie pour ton amour pour Dieu. Ah. Si tu pries vraiment pour ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Élève ta voix et prie. C'est le premier et le plus grand commandement. Prie, non ! Alléluia. Wow. Seigneur, ce matin, nous te prions, Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce et que nous puissions toujours t'aimer. Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix. Seigneur, en ces instants, nous élevons nos voix pour te prier, Jésus. Accorde-nous la grâce et que nous puissions toujours t'aimer. Seigneur, que notre amour envers toi puisse augmenter de chaque jour. Seigneur, ce matin, nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, que nous puissions t'aimer à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle situation, Jésus. Ce matin, nous te prions, Jésus, accorde-nous cette grâce de toujours t'aimer, avec que notre amour envers toi puisse augmenter à chaque fois, à chaque instant, et que nous puissions t'aimer à n'importe quelle circonstance, et malgré les épreuves, et avec que notre amour puisse augmenter. Seigneur, ce matin, nous te prions, Jésus, accorde-nous la grâce, et de toujours t'aimer. Accorde-nous la grâce, et de continuer à t'aimer. Que nous ne puissions pas abandonner notre premier amour, mais que nous puissions toujours t'aimer à n'importe quelle circonstance. Ce matin, Jésus, nous te prions, accorde-nous cette grâce, Seigneur, la grâce de pouvoir toujours t'aimer, la grâce de pouvoir toujours continuer à t'aimer, malgré les circonstances de la vie, malgré les situations difficiles, malgré les épreuves, mais que nous puissions toujours t'aimer. Que l'amour que nous avons vers toi puisse augmenter à chaque fois, puisse augmenter à chaque instant. Seigneur, ce matin, nous te prions, Jésus, accorde-nous cette grâce, Seigneur, que nous ne puissions pas abandonner notre premier amour, mais que nous puissions continuer à persévérer, Seigneur, en t'aimant. Jésus, ce matin, nous te prions, accorde-nous cette grâce, Père éternel, accorde-nous cette grâce, Jésus, la grâce, Seigneur. Et avec accès de grâce, nous demandons cela. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Rapidement, qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît? Faites-nous signe, nous voulons vous recevoir.